Bondi, Dandarmali, Kasuri, Alpha, 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 Alpha. Dont l'État devait assurer la sécurité. Ils ont été arrachés à l'affection de leur famille. Dans des circonstances que vous connaissez tous, Alpha Condé, qui est censé être le président de tous les Guinéens, qui devait apporter sa compassion, qui devait mettre en œuvre les instruments nécessaires pour l'identification des auteurs et des commanditaires des crimes, afin que ceci soit traduit devant les tribunaux, a préféré garantir l'impunité aux criminels. C'est vraiment triste, près de 200 jeunes. Est-ce que vous croyez qu'il y aura la justice un jour dans cette certes, la Guinée a besoin de réconciliation, le pardon, mais il faut oublier la vérité. Il faut qu'on lise les pages sombres de notre histoire pour pouvoir les tourner. On a des exemples dans cela. À l'Afrique du Sud, il y a d'autres pays qui ont vécu des événements douloureux. Il faut qu'il y ait la justice. La justice, c'est d'abord la reconnaissance que le mal est fait. En Guinée, si on a le mal, de discerner le mal bien, il faut d'abord qu'on sache que tel acte, c'est un mal, et qu'il mérite la condamnation. Maintenant, dans le mal, quelle est la sanction ? Il convient d'administrer, qu'ils reconnaissent qu'on a commis un crime et que c'est un crime, pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Parce que le crime, on le traite pourquoi ? Pour qu'il ne se répète pas. Pour que l'État puisse procéder à des réparations. Parce que le préjudice est de cette nature. Il faut que les proches sentent qu'ils ont été victimes de préjudice moral. C'est que les dispositions sont prises pour la réparation de ces crimes. Alors, bon, nous battons aujourd'hui pour la protection des droits humains. Le FNDC se bat pour la protection des droits humains, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait l'état de droit dans notre pays. Les gens se sont emparés du pouvoir et des ressources de ce pays pour leur profit personnel. اللهم إن كانوا محسنين فضل في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتذابت عن سيئاتهم برحمتك أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.